l'abécédaire des vins de Bordeaux. Aujourd'hui, la lettre E. E comme étiquette. Comment lire une étiquette de vin de Bordeaux? Bonjour Sabine. Bonjour. Alors, un peu de lecture aujourd'hui avec le décodage d'une étiquette. Oui, un peu de lecture et quelques astuces, puisque connaître les mentions et savoir te repérer sur une étiquette vont te permettre de faire un meilleur choix en fonction de tes goûts et de tes envies. Les étiquettes sont un peu la marque de fabrique du vin. On sait qu'elles existaient déjà à l'Antiquité, puisque le nom figurait sur les amphores. Aujourd'hui, les étiquettes sont de style très varié en fonction des châteaux, en fonction des marques. Elles représentent une personnalité. Mais au-delà du style, il y a aussi des mentions obligatoires auxquelles tu vas pouvoir te référer pour te repérer dans les différents vins élaborés à Bordeaux. Quelles sont ces mentions obligatoires? Alors, au centre de l'étiquette, tu vas trouver le nom de l'AOC, tout de suite suivi de la mention appellation d'origine contrôlée, qui te garantit l'origine du vin, l'origine du raisin et les méthodes d'élaboration qui sont appliquées. Ça, c'est une garantie pour le consommateur. Les autres mentions indispensables, le numéro de lot pour la traçabilité, l'adresse et le nom de l'embouteilleur, le pays d'origine, de production, le volume du contenant, le degré d'alcool et l'appartenance au vignoble bordelais avec la mention Grand Vin de Bordeaux. Et le logo symbolisant parfois un château? Alors ce n'est pas une mention obligatoire, mais bien une mention facultative. Quelles sont les autres mentions facultatives, mais qui apparaissent régulièrement? Alors le millésime, bien entendu, s'il est indiqué, au moins 85% du produit doit provenir de cette année de récolte. Ensuite, les noms de châteaux, les noms de marques qui représentent l'image du produit. Et puis tu trouveras éventuellement les cépages qui peuvent être mentionnés, ou bien l'appartenance à des classements, comme les grands crus classés ou les crus bourgeois, par exemple. Bah super, grâce à tes conseils, je vais pouvoir choisir mon vin plus facilement. C'est sûr, de plus en plus de propriétés te guident en plus sur leur étiquetage. Tu vas pouvoir avoir des accords mets et vins qui te sont conseillés. Et puis tu peux aussi télécharger gratuitement l'application Smart Bordeaux qui va te permettre, en scannant l'étiquette ou le code barre d'une bouteille, d'avoir plus d'informations sur le produit ou la propriété. Mention obligatoire, facultative, application Smart Bordeaux. À présent, vous en savez autant que moi sur les vins de Bordeaux.